Moin. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première chaîne de télévision luxembourgeoise, RTL Télé Letzebourg. Le 21 septembre 1969, le journaliste Jean-Octave lance sur Télé Luxembourg l'émission Heyelei Kukelei, une émission de 3 quarts d'heure diffusée chaque dimanche matin en langue luxembourgeoise, puis le dimanche après-midi. Mais, pressé de renouveler l'antenne de RTL TV dont l'audience chute en tournant des années 1990, la CLT démarre un nouveau format ciblant les jeunes dans lequel Heyelei Kukelei n'a plus sa place. Un conflit interne éclate alors entre l'ancienne et la nouvelle génération et en octobre 1991, Jean-Octave part en claquant la porte, suivi par une grande partie de son équipe. Le gouvernement luxembourgeois soutient alors très activement le maintien d'un programme en luxembourgeois et intervient auprès de la CLT pour la création d'un programme quotidien en direct d'une heure, rediffusé en boucle jusqu'à minuit sur un canal dédié au Luxembourg. RTL Heyelei est ainsi créé le 21 octobre 1991. À partir de l'émission d'information d'origine, la chaîne élargit son spectre pour proposer d'autres émissions. Heyelei Sport Club, consacré aux résultats sportifs, émissions de service, etc. Toujours centré sur la vie du Grand-Duché. Les journalistes de l'émission d'origine sont aux commandes, Jean-Octave pour les informations, Pilo Funk pour le sport ou encore Med Botson. Depuis l'automne 2001, sous la conduite d'Alain Berwick, RTL Heyelei a été rebaptisé RTL Télé Letzebourg et a augmenté la durée de ses programmes à 18 heures par jour pour devenir une chaîne nationale généraliste multi-support mêlant télévision, radio et internet. Toutefois, les Luxembourgeois continuent à l'appeler Den Heyelei. Le succès est au rendez-vous et la chaîne se dote en 2004 d'une nouvelle déclinaison RTL 2. Les émissions les plus regardées sont Des Journal, Clear Text et RTL Sport. Le logo représente RTL blanc sur un carré fond rouge. Je vous mets le lien de la médiathèque de RTL dans la description et je vous souhaite un bon visionnage.